Salut à tous, ici Tanguy pour un nouvel épisode de Grand Theft Auto San Andreas. Alors on s'était quitté sur la prise de Vinewood et aujourd'hui on va se retrouver pour la prise, les batailles de Santa Maria Beach et Verona Beach. Donc c'est parti. Alors entre temps j'ai acheté un petit... J'ai failli me manger une moonbeam. Je suis allé à la munition donc et j'ai pris un petit shotgun, mais le vrai, enfin pas le vrai, il n'y en a pas de faux, hein, mais le fusil à pompe de base, quoi, parce que c'est celui que je préfère et je crois que c'est avec celui-là que je me débrouille le mieux par rapport au fusil à pompe scié que j'ai pas vraiment utilisé de toute façon dans le jeu, peut-être au tout début, je me souviens plus de coup. Et le space 12 qui est... Je sais plus parler. Parce que le space 12 il a une cadence de tir plus élevée, c'est sûr. Mais il est moins puissant, je trouve. Donc je vais rester avec ça doit être un Remington, je sais pas. Donc voilà, on va commencer par ce coin-ci. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Pourquoi il y a des cowboys aussi? Alors madame, là il y a un beau petit groupe, ouais. Ok, ça sera le terrain du centre. C'est pas bien grave, même si ça va peut-être me faire chier pour trouver des ballasses dans celui d'à côté. Bon. Je vous cache pas que là je suis en train de recommencer parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'enregistrais pas quand j'avais commencé à faire l'épisode, du coup voilà, ça faisait 15 minutes tout seul comme un con, quoi. J'allais pas non plus marcher là-dessus, quoi. Encore vivante la voiture, c'est quoi ces conneries? Voilà. Qu'est-ce que bonjour? Il y en a qui se sont cassés là, non? Je vais aller les chercher. Hey, I had that. Et allez, dernière petite vague. On va buter les deux derniers. Et où est-ce qu'ils sont? Voilà, le coin m'appartient. On va prendre le territoire là à droite. Espérant tomber sur des ballasses. Ce serait bien quand même. Ah là. J'aimerais que les... Alors déjà, pourquoi il y a autant d'explosions? Mais surtout, j'aimerais que les flics me foutent un peu la paix. Car ça commence à me peler les fesses, tous ces flics.
Première vague, c'est fait. Deuxième vague, c'est fait. On va attendre la troisième gentiment. Alors, mon petit péché mignon. Oh, c'est pas un bon plan, ça. Mais c'est la classe. On va prendre un petit... gilet pare-balles. Et où ma voiture? Bon, j'ai plus de voiture. Il y a des explosions de tout partout. C'est la fête. Bon, bah on va marcher. On va marcher jusqu'où? Ok, le gros là. Bon, bon, bon. Ah, une voiture. On va pas mal rouler dans les Greenwood hein, pendant la guerre. Même pendant tout le jeu, c'est une voiture que j'aurais pas mal exploité. C'est une voiture que j'aime bien. Bon, j'aurais pas dû la piquer à côté d'un flic par contre. Bon. Petit balas. Et oh, qu'est-ce que vous me foutez là? Ah, ça va. C'est quoi ça? Y'a le président en ville? C'est quoi ce défilé? Qu'est-ce que j'ai sur une bébé? Oh putain! J'ai eu un truc sur le pied, je croyais que c'était Marine. Parce que je suis courageux. Ah, bonjour, toi. Oh, les flics s'en foutent. Bon. On va bien trouver un petit ballast, non? Très bien. Là, il y a des petits ballas. Il y a assez de petits ballas. Ok, je me casse de là. Il y a trop de flics, ouais, il y a trop de flics. Oh putain, il y a beaucoup trop de flics. Du moment que je reste dans la zone de guerre, il n'y a pas de problème. Bon, est-ce que je les attends ou est-ce que je vais les chercher? Ça, c'était beau. Ok, là ils sont un peu mieux équipés. Allez chercher le petit gilet pare-balles. You
J'espère que, enfin, je me demande si les gilets pare-balles avant c'était vraiment comme ça. Parce que ça ressemble quand même à des putains d'armures, quoi. Non, c'est pas vraiment du Kevlar. Voilà, le coin m'appartient. Donc on va commencer à aller faire le con sur la plage. Ouais, y'a trop de trucs qui cramaient près de moi là. Mais non, je n'ai pas tué de vieille dame. Voilà, un seul ballast, ça va rien déclencher du tout. Je vais aller voir sur ce ponton là, je sens que je vais... Quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Le territoire attaqué, lequel, par qui? Ok, je vais aller sauvegarder un petit coup, donc je vais faire une coupure. Voilà, on est de nouveau dans le coin. Donc je disais, on va aller faire un tour sur le ponton, car je suis sûr qu'on peut faire un truc marrant sur ce ponton. Bon d'accord, y a rien qui spawn là-dessus. Ah. Mais je pense pas que deux ce soit assez. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ah. Ça sera assez. Voilà. Et c'est quoi le terrain? Ah bah c'est assez vaste hein. C'est le ponton où on avait fait couler le manager de Mad Dog. Y'a rien qui spawn sur le ponton apparemment. Ah d'accord. Ah, en plus ça spawn sous le ponton quoi. Bon bah tant pis, je pensais que je pourrais faire un truc chouette mais en fait non. On va aller un peu sur la plage. What's up, player? Voilà, ça c'est fait. En plus, on aura plus facile pour les enterrer ici. Oh. Ah, trop loin. You think I don't know about guns, player? Voilà, cette plage m'appartient. Bon, je vais aller prendre l'autre bout de la plage là-bas. Un peu de vie, un peu de gilet pare-balles. Qui m'a tiré dessus? Oh, rien d'important, c'est les flics qui tirent sur tout le monde. Comme d'hab. Alors, dans ce petit coin là, y a pas quelqu'un? J'espère. Sinon, c'est triste. Alors, y a de la bouffe en tout cas. Et ça explose de partout. Je suis déjà étonné qu'il y ait des piétons qui spawnent là alors des ballasses. Oh putain. Tu vas voir que les explosions ça va être pour ma gueule après. Ah putain. Ah les enculés là. Il y a trois connards de ballasses qui sont en train de fuir. Non tant pis, ça ira pas.
c'est. Calme. Ouais, là-bas, il n'y a pas de piétons, il n'y a que dalle. Je peux rêver. Bon, les explosions, ça va aller. Là, hein. Bon ben, j'attends. Hein, au moins vous avez un feu d'artifice, hein, c'est chouette. Madame, votre télé. Un petit bug par-ci par-là. Ah putain, voilà, je me demandais où vous étiez les gars. Donc voilà, on va se battre pour ce petit coin. Avec des explosions partout partout. Ah merde, je dois éternuer. Oh merde. Ouais. Ah, excusez-moi. Où est-ce qu'ils vont? Il est où mon... Ah voilà. Ah, il y avait encore ce connard là. Just don't ruin my claw. Just don't. Je voulais pas prendre le bouquet de fleurs et du coup ça a dégagé mon couteau. Ah non, ça, qu'est-ce que ça a dégagé? Ah bon. Allez, troisième vague. Un petit hot dog. Oula. You think I'm well done. Voilà, le coin est à moi. Je vais repartir avec mon camion de pompier. Moi. Oh non. Fait chier. Ils vont me faire chier hein, en plus. Bon. Ah mais laissez-moi tranquille. Quoi. La ville est en émeute, vous avez rien de plus important à gérer qu'un connard. Qu'est-ce qui me tire dessus ? Qui a volé un camion de pompiers. Je regarde un truc. Et si tout ça c'était un seul territoire? Ça serait étonnant. Mais on sait jamais. Bon, je vais me balader un peu et on verra s'il y a des balles sur la plage. Ah, bonjour messieurs. Ah ben non, c'est pas un seul territoire, mais c'est un gros territoire. Et je vais aller sur le ponton. On le fixe à mettre pas. Oups, j'ai pas fait exprès. Il est où le deuxième? On avait un deuxième, non? Bon,
la première vague, c'est fait. Il me faut du gilet pare-balles. Sur ce ponton, j'ai... dans GTA V, c'est un lieu que j'adore parce qu'il y a des survies dans GTA V. Ça s'apparente un peu à des gardes gangs. Ouais, c'est en fait, c'est complètement ça en fait. Et il y en a une sur ce ponton retranscrit dans GTA V et j'adore ça. Contre des bikers des Lost. Ouh, il y a un bug. Là, on a un beau panorama. Ah super, j'ai le max de muscles. Je suis muscleur. Il va me le falloir ce gilet pare-balles. Submit. Voilà, le coin m'appartient. On va prendre le dernier territoire, hein, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce que ce truc fait là? Ah bah je sais avec quoi je vais rentrer en tout cas moi. Eh, il a pas disparu quand même. Oh non, il y avait un super bellico là. Oh non, il a foutu le camp. Oh, oh, oh. Bon. Tant pis. Mais putain, il... Il en reste un peu là. Non. Non, c'est quoi ça? C'est ça, un triathlon? Bon, quel territoire? Mais c'est loin! C'est loin! Bon. Bon, je vérifie un truc. Putain, bon. Va falloir que... Bon, je vais faire comme d'hab, je vais aller sauvegarder. J'ai pas envie d'acheter cette maison, donc non, je ne le ferai pas. Mais je crois qu'on peut pas, qu'on peut pas avoir deux guerres de gang en même temps et du coup... ça me baise. Bon, je reviendrai. Je reviendrai. Coupure. Alors, je suis de retour sur la plage. Oula, qu'est-ce que j'ai fait avec ma souris là? Même ce gros machin rond là sur GTA 5, ils l'ont remis. J'ai aucune idée de ce que c'est. Eh, il y avait l'hélico, mais il a encore disparu. Hein. Bon. On va attendre qu'un petit groupe de ballast spawn. On les zigouille. On prend la plage. Et voilà, il y en a deux là, mais je pense pas que ce sera assez. Ouah, mon endurance, elle est cassée. Ah ok, l'hélico, je crois que j'ai vu se casser, ou alors c'est un hélico de police, c'est plus probable en fait. Voyez où les gars, arrêtez de courir dans tous les sens. Y'a pas de ballast qui veut spawner, veut spawner, veut spawner. Alors, si j'allais sur la rue, ça serait peut-être plus facile. J'allais voir un coup sur la rue. Calmez-la. Ça explose un peu trop. On prend notre temps, hein, on prend notre temps, on fait durer le plaisir. Il n'y a rien qui spawn sur le trottoir. Eh mais cet hélico, c'est un mirage. Je suis sûr que si je lui tire dedans en roquette, le roquette il passe à travers. Attends, je vais essayer de me rapprocher. Oh
Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bah non, il est bien là. Je vais rester à proximité de mon hélicoptère. S'il vous plaît, là, un ballast ou deux. Trois, c'est bien, car là, je suis sûr de la déclencher, votre foutue guerre. Ah, parfait. Voilà, et je me casserai en hélico, parce que moi, j'ai la classe. En espérant qu'il despawn pas derrière mon dos. Et que les ballasts spawnent. Oh non. Ils vont pas spawner. Mais il y a l'hélicoptère. Mais sérieux les gars. Vous pouvez pas venir sur le sable comme ça. Bon, d'accord. On va aller un peu plus loin, on va se poser sur la route. Ouais, c'est gros manié ce machin. Ouais, c'est vraiment badass comme hélico ce machin. C'est... Voilà, on va aller là. Je suis sûr que ça va venir. Ah voilà, merci. Première vague, c'est fait. Ouais. Et ensuite. Ah. D'accord, faut que je me rapproche vraiment de la rue. Quoi. On va la finir cette guerre. D'accord. Oh non. Oh putain. Bon déjà je vais aller récupérer mon gilet pare-balles. Tu ne disparais pas, mon beau. Voilà. Attends. Je crois qu'ils sont en train de revenir. Ouais, oh, putain, je crois que j'avais plongé. Ouais, je le veux, mon hélico, pour partir. Voilà. On a tous les territoires. Enfin, pas tout. On n'a pas tous les territoires, hein, on possède pas la ville, mais on a ceux que je voulais, hein, ceux que je trouve cohérents pour la suite. Donc ici, on va rentrer à Grove Street avec la classe. Donc on a pris toute la plage, on va passer au-dessus. On aura pris Verona Beaches et Santa Marina Beaches. Évitez de me prendre un palmier, ça serait bien. On a aussi repris Vinewood qui ne se pose pas là-bas, qui est tout bleu.
Donc on a repris Vinewood, Marina et Verona Beaches, et plus de la moitié de South Central. Là-bas les quartiers Ballas. Ryder, il est mort, mais sa voiture, elle est toujours là, on empêche. La dernière fois que j'ai vu sa voiture, elle a quand même explosé à San Fierro. Ah, comment je me pose avec classe. Du coup, je me fais tirer de mon hélicoptère, je me fais tabasser, quoi, t'imagines. Voilà. Donc, je vais sauvegarder. Je vais prendre un peu de pépette aussi, avant. Donc salut, c'était Tanguy, au revoir et bonne journée.